Alors, Dernière partie, c'est des matchs M&M versus Smarties versus Kill Virgin. C'est pas facile à dire. Hein. voilà, tout à fait. Donc c'est la troisième partie, c'est le, enfin c'est la quatrième partie, excusez-moi, le dernier, enfin le groupe qu'on a déjà fait, où c'est la deuxième game de Kill Virgin qu'on va stream ce soir. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas eu l'occasion de beaucoup le stream, c'est pour ça que j'avais pris deux replays de lui. Faut savoir que c'est un joueur qui sera à la Gold Cup. Donc je rappelle les bans du groupe. Donc faut savoir que Colère d'Arcate était ban, Lavaspawn est ban, Mer Namtaru et Spellsteer Hérétique. Donc justement comme ça on n'aura pas le bug du Lavaspawn. Faut juste faire attention au bug d'Icepear. J'espère qu'il n'y en aura pas trop. Donc on va passer très Et rapide. Mother Namtaru est ban, donc bon, le risque de voir Icepear. On la voit surtout dans cette Voilà, Zoro. donc ça devrait bien se passer. On va passer tout de suite au decklist. Donc on va revenir très brièvement sur les decklists de Croco qu'on avait déjà commenté. Donc on va juste les recommenter pour le replay. Et on fera sûrement pas. On fera des analyses vite fait sur les pronostics, mais pas d'analyse détaillée sur, sur la liste. Hein. Vous la retrouverez en première partie de l'émission. Alors, donc au niveau de la decklist. Donc on va commencer par les decklists du coup de Croco. Donc tout d'abord l'Adeleb de Croco. Donc par contre je vais vous changer la scène. Voilà. Donc la super Adeleb. La voici, la voilà. Donc une Adeleb composée du coup de 4 maniaques. 4 succubes, 3 bouffis des flammes, 4 lacérateurs du chaos, 3 rôdeurs dans les ténèbres, un phénix de la lune, 3 prolifiques naissants, 4 saccageurs, 4 serviteurs de la haine, 4 tyrans maniaques, 4 succubes entravés, 4 traits de feu, 4 éclaireurs fourchus, 4 éclairs fourchus, excusez-moi, 3 fosses sacrificielles, 4 semaines des morts et 4 semaines des anciennes races. Donc voilà, la fameuse délève en 3-2-2 avec les éclairs fourchus et des bouffis. La deuxième decklist de Croco qui était... Je me pose une petite question là. Pourquoi on est en train de passer en revue la decklist de Croco et alors que c'est Kill Virgin? Ben, c'est Kill Virgin. Oh mince, je me suis trompé, c'est Kill Virgin Oui. Après, moi, et puis moi, je réagis 10 minutes après. Bon, C'était Kill Virgin qu'on avait vu les decklists. Donc on la refait, on va refaire les decklists de Kill Virgin. Donc petit fail, excusez-moi. Donc decklist composé de 4 éclaireurs gobelins, 4 harpies de ranard, 4 chasseurs gobelins, un phénix, 2 archers centaures, 4 olifants de guerre, 4 chamans griffes sanglants, 2 cyclopes bagarreurs, 4 déchiqueteurs crâne noir, 4 chamans serpents sanglants. Une Zephyria, un Damran, la Zephyria, élu des vents, EQ, 4 traits de feu, 4 nuits d'insectes, 4 éclairs fourchus, 4 foudres, 4, 2 puits, 2 foudres et 2 puits de feu, excusez-moi, 2 tentes de guerre, 4 ascensions du diable ancien, 2 failles dans le voile. Et deux équilibres cosmiques, donc sa decklist hein, qui était assez rushy tout à l'heure, hein, qui lui a permis de faire la différence. On va voir si là aussi. Et donc je vais prendre la deuxième decklist qui était juste à côté, voilà, qui était sa fameuse Nala. Donc la Nala un petit peu bizarre, hein, sans Ouais, je colère sais pas si on d'Arcate. va la voir hein, quand même, hein, parce qu'elle est tellement particulière. Ouais, Il avait c'est. une idée en tête. On Mais verra. bon, sa liste de chars, elle est bonne, hein, elle est Sa très liste de belle quand chars est même. bonne. Sanala, je suis plus perplexe. On verra. Donc, qui est composé de 4 érudits, 4 escarmoucheurs Raskasa, 4 gargouilles, 4 tireurs de précision des arcanes, 3 gargouilles obsiennes, 3 djinns, une Nure, 2 djinns courbe-temps, une Ariane, 4 djinns sculpte nuage, 2 traits de feu, 3 éclairs fourchus, 4 immolations. 2 puits de feu, 2 boucliers primo, 2 time jump, 3 pièges du vide,
2 hôtels d'affinité élémentaire, 4 jours du sanctuaire et 4 nuits de la lune montante. Voilà, donc idée un petit peu particulière. On va rentrer un petit peu plus en détail sur les decklists de M&M Smarties. Donc il a donc une 4. Donc la première 4 hein, qu'on va voir ce soir. Donc composée de 4 éclaireurs gobelins, 4 harpies, un phénix, 4 chasseurs âges tempêtes, 4 olifants de guerre, 4 chamans griffes sanglantes, 3 déchiqueteurs crâne noir, 3 chamans, 2 broyeurs crâne noir, une zéphyria, un damran, la zéphyria neutre, l'élu des vents, 4 nuées d'insectes, 3 hôtels sacrificiels, 2 ponts détruits, 4 feux de camp, un fer à cheval doré, un hôtel d'achat, une période de crise, 2 tentes de guerre, 3 jours du sanctuaire, 2 ascensions du diable ancien, 2 failles dans le voile et une semaine des mercenaires. Donc une decklist classique, hein, à part semaine des mercenaires qui est un petit peu surprise partie dans la decklist. Sinon c'est du très très classique. Il n'y a aucune carte de la dernière extension dans la decklist. Hein. On voit bien que bah voilà, c'est le 4 comme il était avant, à l'ancienne. D'ailleurs, bon, on ne peut pas dire qu'il y ait grand chose. Bah, il y a Stormrage. La dernière extension hein, qui apporte à 4. Hein. Et en voyant cette decklist, je me mets à la place de Kill Virgin. Je me dis, oulala, j'ai pas envie de jouer ma Manala. Hein. Deux crushers de base, trois shredders et les deux tentes, déjà ça, ça dissuade. Hein. Donc je pense qu'il va se replier sur son char. Il faut voir la deuxième decklist de M&M versus Smarties, mais bon, on va avoir du bastion, bastion à gogo. Donc voilà pour la première decklist, hein, donc vraiment du très très classique. C'est du M&M Smarties, ça me surprend pas. Une decklist qu'il a beaucoup joué, 4 je crois en standard. Donc voilà, faut savoir. Après, je pense qu'il joue beaucoup plus en open qu'en standard dernièrement. Donc à voir, même si bon, ça reste quand même un bon joueur de standard. Un joueur qui est capable de jouer un petit peu sur tous les tableaux. Donc la deuxième, il prend Mother Namtaru. Donc pareil, hein, il a pris la vieille qui a été beaucoup jouée là, je trouve, en standard. Donc composé de 4 liches. Néophyte, 2 squelettes soie de lune, 3 arbres du pendu, 1 phénix, 3 chevaliers vampires, 3 minotaures morts-vivants, 4 apprentis éternels, 1 atropos, 4 banshees, 1 damran, 4 ariane élu du vide, une ariane élu du vent, excusez-moi, parce que c'est une unique, s'il y en aurait 4, ça ferait bizarre, 2 lances de glace, 3 geysers, 2 boucliers de pierre, 3 désintégrations, 1 couru de mer Namtur, et 2 bons temporels, et 3 météorites glacées. Au niveau des bâtiments, 3 ossuaires, et au niveau des events, 3 semaines de la connaissance, 2 failles dans le voile, 1 jour de chance, et 2 tempêtes de grêle. C'est du classique auquel on rajoute apprenti éternel, lance de glace hein, par rapport à ce qu'il jouait sur la dernière édition. Voilà, après au niveau des events, c'est un petit peu particulier. Il a fait un petit peu un mix de tout, comme ci, comme ça. Sachant que Tempête de Grêle est bien quand tu joues des nuées pour gérer tout ce qu'Inferno qui a 4 HP à partir du T7, malheureusement, mais ça te permet de créer vraiment un gros CA. Semaine de la connaissance est bien parce qu'il n'a pas de T1. Faille dans le voile est bien contre les créatures résistes magiques, et il y en a beaucoup quand même dans le format avec, avec chez Bastion, Zephyria. Avec chez Academy, il y en a beaucoup aussi de créatures résistance magique, hein, les gargouilles, les djinns, les nurs, etc. Ouais. etc. Donc, elle est bien, hein, ça décline, je trouve que c'est une bonne boîte à outils. C'est du contrôle nécro, hein, comme on a l'habitude, avec les bonnes créatures qui tankent, de quoi faire du CA. Mais quand on regarde ce que joue en face Kill Virgin, donc c'est-à-dire Nala ou Char, jamais M&M versus Smarties, il va jouer ce deck. Hein. Il va jamais le jouer, là c'est très clair. Hein. Sûr, on va se prendre, là on va regarder, hein, mais je suis sûr, on va se prendre du bastion versus bastion 3 fois. Hein. Là tu peux...
Bah, ça... c'est ma vision de la chose. Je vois pas comment MLM versus Martis il peut jouer cette decklist. Bah on voilà, je pense que Nala va être embêtée parce qu'elle peut pas gérer 4. Ah oui, alors Nala c'est le suicide. S'il le prend contre 4, c'est le suicide. Par contre, je sais pas parce que si le char. Non, il n'y a pas de T1. Faudrait vraiment que. Faudrait qu'MNS Martis parie. Si MNS Martis parie sur le fait d'être joueur 2 et d'avoir le Crystal Dragon, il peut jouer Mother Namtaro. S'il est T1, je pense qu'il va passer un sale quart d'heure. Non, non, non. Bah, moi, je me mets dans la peau de MLM versus Marty. Je me dis, moi, je vais pas jouer mon Mother Namtaru. Je vais jouer mon 4. Et si Kill Virgin il se met lui-même à la place de MLM versus Marty, il se dit, bah, il va jouer 4. Je peux pas jouer Nala. Donc, je joue char. Et on va avoir du char 4. C'est bon, je vais pas me faire dire que je me fais curer dans les Ardennes si je me trompe, mais ça serait incroyable que ça se passe pas comme ça. Enfin, je comprendrai pas. Bah, je te propose de passer directement sur les replays. Par contre, petit pronostic entre 4 et char. Je... 4 contre char, c'est ouvert, je dirais. Faut voir. Ah, 4. Kat est peut-être plus tanky quand même. T'sais, elle a tu vas trouver le même bestiaire. T'as plus de sorts. T'as plus de sorts, mais t'as les hôtels sacrificiels. Donc Kat, elle a quand même des solutions. Mais je dirais que t'as de quoi piocher. T'as la fête à l'unique hein, chez Kat. Kat, c'est quand même. Avec... Char, t'as la fête à l'unique aussi. T'as 3 écoles de magie. Donc tu as. Je crois que t'as 4 uniques hein, dans sa decklist. Hein. Regarde un petit peu. Alors si on revient très rapidement, on va retourner très rapidement sur le char. Où est-il? Où est-il? Charles de Kill Virgin. Voilà. Donc il y a effectivement 4 uniques. Hein. Il joue tout en fait en unique. Et la fête à l'unique aussi. Hein. Il a les 3 neutres et 7 hein. Bastions. Ouais, il en a. C'est vrai qu'il y en a une de moins côté. Ouais, mais t'as le sort, t'as le de. Comment? Mince, j'ai oublié le nom là. La fortune unique qui te permet potentiellement de. Ah, peut-être. De ouais, c'est vrai que peut-être avant. Ouais, je sais pas parce que hein. Par contre t'as le chasseur gobelin, Je pense que sur le T2 4 le chasseur H tempête qui est beaucoup plus fort que le chasseur gobelin. Plus s'il se rush la tête du coup c'est 4 qui risque de gagner. Moi je avec vote l'hôtel sacrificiel. Je vote MLM versus Marty, je vais te dire pourquoi. Moi je vote 4. On a vu tout à l'heure les games de Kill Virgin avec son char, il a fait quelques erreurs qui me laissent à penser que c'est pas son deck de prédilection. D'ailleurs, on a vu d'emblée, il a commencé à jouer Nala en première game, donc c'est que généralement quand tu entres comme ça dans une partie contre un joueur, tu vas prendre un deck avec lequel tu es à l'aise. Et ensuite, tu vas t'adapter, à moins que vraiment tu sois dans une impasse, tu vas prendre un jeu avec lequel tu es à l'aise. Et donc, il n'a pas commencé par char, il doit pas être à l'aise avec char. Il a fait quelques petites erreurs contre Croco. Donc là, il joue par la force des choses char parce qu'il ne peut pas faire autrement. Et donc, je dirais, MLM versus Marty, je pense qu'il va avoir l'ascendant sur la durée, sur certains plays. Il va prendre l'avantage peut-être par l'expérience qu'il a sur deck, et mon pronostic c'est 2-1 pour MLM versus Martis. D'accord, bon, on va découvrir tout ça. Allez, c'est parti, je vous lance le premier replay. Je mets la bonne scène, j'évite de fail. Donc, hop, c'est parti pour le premier replay, la première game entre MLM versus Martis et Kill Virgin. Donc, je le mets en pause. Donc, effectivement, char contre 4, c'est la grosse surprise, je pense qu'on l'avait prédit. Et je vous garantis qu'on n'avait pas vu les replays. Enfin, si moi je les ai vus parce qu'il y a eu des bugs sur les replays. Et je vous assure, je me rappelle vraiment absolument plus ce qui était comme deck. Et je pense que les prédictions, quand même, avec l'analyse, est vraiment bonne. Ouais, donc, non, mais là-dessus, je suis pas surpris du tout. Et je serais même pas surpris du tout qu'on ait 3 match-up identiques. Ouais, c'est à peu près la même. Je pense que ça va. En fait, suivant comment va se dérouler la première game, je pense qu'on va plus pouvoir. Autant la première, c'est une analyse, autant la deuxième, je pense qu'il y a le ressenti des joueurs. Et s'il y a une boucherie totale sur la première game, il y a des chances que ça change. Donc, je vais lancer le replay. 3,
2, 1, plus. Donc, bon, là, côté Menace Martiz, hein, ça garde sa main, il a une très belle main, elle il peut changer. Elle est bonne, sa main, dis-donc. Elle est très, très bonne. La... Bon, le problème, c'est que là, il y a le cristal du dragon. Ah, il va jouer pour jouer à l'autre gobelin. Ah, il n'est pas devant, par contre. De faire la course. De faire la course. Et là, il a 18 points de vie, hein, quand même. Je... Ouais, ouais, c'est ballsy, hein. Voilà, il fait la course. Bon, après son T3, il va. Bah, en plus, c'est un peu con cette histoire. Hein. Parce qu'il va être tenté ses traits de feu et je sais pas quand il va les jouer. Hein. Bah, c'est ça, parce que là, il aurait mis son gobelin devant. Bah, il aurait eu plus intérêt à jouer trait de feu T1 et après à utiliser son cristal ouais, d'une manière ou d'une autre. Dans la suite. Bah, et là, il va souffrir. Hein. Bah, moi, j'aurais joué le gobelin devant le gobelin, quoi. Parce que mon gobelin, oui, t'as un HP. De toute façon, 4, à mon avis, tu vois, ça c'est petit détail. Ça c'est petit détail qu'on voit que Kill Virgin n'a peut-être pas l'habitude de jouer Bastion autant que MLM versus Martiz. Parce que 4 n'a rien pour coller un point de dégâts ou deux points de dégâts. Il n'y a rien. Il y a les seuls sorts, c'est Nuée et puis il y a Shredder. Mais Shredder, il va pas arriver T2. Quoi. Là, les placements de MLM Martiz sont good. Hein. Rage Tempête devant. Ah oui, non, mais là, MLM versus Martiz, il s'installe, là, il est comme à la maison, là, il pose tranquillement son jeu, et Kill Virgin, là, il a fait. Tu vois, c'est le ressenti que j'ai eu tout à l'heure quand on a regardé des games contre Croco, je me suis dit, mince, on dirait Kill Virgin, il y a des plays discutables, il y a des choses qu'on n'a pas tout à fait bien saisies, et là, la partie, elle se déroule un peu également comme ça, là, on était 4, t'as l'impression déjà que tu dis, mais comment il a pu se passer pour être déjà dominé sur le board, quoi. Ah ouais, non, mais c'est vrai que là, les... Enfin, oui, mais moi... comment ça a pu se passer, là? Je dis, il est déjà dominé sur le board. Alors qu'il était T2, en plus, hein, c'est ça qui est fort. Il était T2, donc... Le joueur 1, joueur 2, l'équipe est plus le même. Je t'avoue que c'est pas un truc qui me choque plus que ça. Après, je pense que vraiment, il aurait dû tanker T1. Moi, j'aurais tanké T1 avec le blind, j'aurais forcé un déplacement... À là maintenant il est obligé de courir après ses PV. À sa décharge, la main des MLM versus Martiz elle était très bonne ici, hein. Donc il faut pour placer les choses. Des MLM Martiz était très bonne, mais la main de Kill Virgin n'était pas mauvaise non plus. Ah oui, elle était bonne aussi, il avait des drops à tous les tours, ils avaient tous les deux des bonnes mains en fait, mais je pense que c'est sur les placements. Là, il est en train de se donner. Il a des traits de feu dans les mains, il sait pas trop quoi en faire. Ils sont même pas joués là, il y a des traits tour 5, zéro trait de feu joué là. Il va le payer là. Par contre, il y a un truc qui va lui faire plaisir, c'est l'appui de feu. Là, il va rentabiliser sa pluie de feu là. Mais ouais, ok. Ah bah là, plus et de là, feu, mais trait tu de sais, feu. MLM versus Martiz, il va payer en quelque sorte. Il paye son suravantage de début de game. Mais il a 8, hein, Kill Virgin. Hein, donc, ok, il va faire ouais, du mais là, CA. Là, il a géré les deux lignes là. Bah là, il va faire du CA. Il va faire du CA, mais là il réfléchit qu'est-ce qui tue comme ligne. Est-ce qu'il tue la ligne où il y a son gobelin ou est-ce qu'il tue les deux lignes au-dessus? Alors, moi j'irai au-dessus. Plus de feu, ça au-dessus. Met que 3. Hein. Donc là, ah oui, ça met pas 4, ça met que 3. Ça, bah, met que là, 3. Il... Ça met que 3, par contre, il a géré le Shredder. Moi j'aurais fait en haut et avec le trait de feu, puisqu'il lui reste une ressource, j'aurais géré le deuxième Shredder. Mais bon, c'est pas évident quand même. Voilà, hein. Il fait trait de feu, hein. Il gère le Shredder là de toute façon. Ouais, voilà, c'est ce que j'aurais fait aussi. Il gère trait de feu. Mais il devrait pas attaquer là. Il déplace toutes ses bêtes. Alors là, par contre, ouais, voilà. J'aurais. Je sais pas. Il peut pas attaquer là, il faut qu'il tank. Bah, moi j'aurais. Ah non, il avait peut-être peur d'une semaine des mercenaires ou quelque chose. Non, mais ouais, je suis d'accord que tanker c'est bon choix, mais moi j'aurais déplacé le gobelin sur une ligne vide. Mais non, parce qu'il se dit, il a encore un trait de feu en main, il se dit je vais pouvoir tuer l'harpie au prochain tour. Ouais, je pense que c'est ce qui s'est passé. Il a pu prendre le board. Voilà, il va tuer l'harpie et puis il va essayer de bloquer, mais bon, de manière, on va dire. La semaine des mercenaires qui lui fait vraiment pas plaisir. Oh là là. Là, il est qu'à 6 de ressources, il est obligé de poser 2 T3 et ça fait très très mal. Ouais, il va mettre Olifant dans la ligne avec Tank. Ouais, la semaine des Mercos, là, je pense pas qu'il veut la jouer la semaine des Mercos parce que. Bah, si. Elle va rien apporter là. Hein, pour, si, parce qu'il a gagné. MLM, hein. Il a gagné. Si la semaine des Mercos proc, il a win, donc il va la jouer.
Là, tu fais semaine des Mercos si ça prend que t'as win. Ouais, mais je pense que c'est un joueur prudent. Il va pas jouer sur un coup de. Il est tellement devant qu'il n'y a pas besoin de faire de prendre le risque. Il va juste essayer, voilà, de gratter encore. Voilà. Voilà, là, il gratte encore et il assure la fin de game. Parce que 2 PV, faut pas croire, hein, c'est fini là. Il y a un shredder et c'est terminé. Il y a pont détruit en main. Il y a Zephyria, ouais, peut-être. Je sais plus ce qu'il a en main. Ouais, je sais pas. Si enfin, là ça se tente. T'as la win, quoi. Ça proc, t'as la win, ça proc pas, bah, tu lui mets 4, quoi. Après, c'est une question de tempérament. T'as des joueurs il en a mis qu'une seule de Semaine des Mercos, donc déjà, pour lui, c'est que c'est pas une carte sur laquelle il joue souvent. Enfin, je pense que lui, c'est pas un joueur qui va te placer comme ça. Ouais, mais là, du coup... Oh, il a gagné, non mais il a gagné. Ouais, il a gagné avec le fond, mais enfin, il a 16, il a 5 tours pour avoir une solution et gagner. Ouais, je pense. Et c'est fini, quoi. C'est vrai que je suis un peu plus agressif dans mes plays, j'ai tendance à prendre beaucoup de risques. Je le sais, parce que comme on se connaît bien, qu'on joue de temps en temps ensemble, je sais que toi tu joues plus souvent agressif et que c'est dans ta façon de prendre les plays, tu essayes de placer comme ça la victoire, la victoire rapide. La victoire rapide, mais des fois c'est ça. C'est la victoire, elle arrive toute seule. Hein. Il y a des fois même pas besoin de la provoquer. Elle, ouais, elle c'est vrai. Il a joué plus safe, mais tu sais, il peut se passer tellement de choses, une double nuée, enfin un truc chelou. Ouais. C'est bastion contre bastion, hein. Donc ça se fout des beignes, ça s'échange des créatures. Et puis à un moment donné, il y en a un qui est plus bas en PV et il se fait prendre la partie. Et donc là, il y avait même pas de tension puisque 16 points de vie d'un côté, 2 points de vie de l'autre. Fini. Ouais. Allez, on va passer du coup à la game suivante. Kill Virgin, je pense qu'il va rester sur Char parce qu'il a pas trop le choix, je ne dois pas changer. Char, si Kill Virgin il prend. Là, Kill Virgin, je pense qu'il se sent pas à l'aise avec Char. Là, il s'est fait traumatiser la dernière game contre Croco, qui jouait Deleb, donc qui était prenable. Là, il vient de se faire complètement dominer par un bastion qui a été joué très bien par MLN versus Pantiz. Est-ce qu'il se dit. Je suis pas au niveau pour jouer à un match-up miroir, enfin qui est du miroir. Ça se ressemble quand même beaucoup. Hein, on peut parler de match miroir. Bastion, je me sens pas suffisamment à l'aise pour tenir le niveau. Et donc je vais repartir sur un autre jeu. Mais c'est quoi son autre jeu? C'est Nala. C'est pire encore. J'irais. Même s'il joue Nala à la perfection, comment il peut réussir, espérer un jour autant écrire au Père Noël dès maintenant? Parce que là, je vois pas. Enfin, pour moi, il va rester sur char. Il va dire, faut que je joue mieux mon char et avec des meilleurs plays, je peux y arriver. Sinon, c'est du suicide. Ah oui, non mais enfin, pour moi, il restait sur char. Hein. Je pense qu'on verrait les match-up. Hein. J'ai cru que t'allais dire une bêtise et qu'il allait se mettre en confiance en partant sur Nala, mais Ah non. Les viewers étaient en train de voir ce que j'ai lancé le replay. Je me suis mis en pause en t'attendant et ils ont donc vu Char contre Kat. Donc non, c'est pas là. En fait, je pense qu'il se sent mieux avec Nala, mais sachant que en face il va prendre Kat, il peut pas jouer Nala. Ouais, ça peut. Et il peut pas jouer Nala. Il se dit mince, j'ai un jeu Nala que j'aimerais bien faire, mais enfin... après peut-être qu'il pense qu'il peut battre le match-up. Donc là, du coup, on va voir ce que donne un petit peu. Donc je t'attends que tu lances le replay, là en tout cas Kill Virgin a une main... Je suis en pause. Cool. Elle est mauvaise sa main. Mauvaise, il est T1 et il est T1, il a pas de T2 là. Il a pas de T2, il est full T3 quoi. Donc, et en plus son T1 il est mauvais, sachant qu'en face... Il y a le cristal. Il y a le cristal. Ouais, il y a vraiment une main de bras. Allez, c'est parti, je lance. Rejeter, 3, 2, 1, plus. Et... Ouais, elle est réfléchie. Oh, et Mulligan. Oh, ça va. Ça va, pas Mulligan, meilleur. Alors c'est pas terrible, mais c'est un peu mieux quand même, hein, parce que. Bah, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, mais elle était pire la main d'avant, parce qu'il y avait trois fois le même shaman. Hein. Et là, le. Oh, il y a le cristal là. Non, parce que MLM il veut curver. MLM versus Martiz, il veut curver, il se dit. J'ai pas eu le temps de voir toutes les cartes de sa main. Mais j'ai vu beaucoup de. Ah, il veut curver là. Ah, il veut curver quoi? Il va. Ah, il curve son blue, son shaman, il va tanker l'harpie. Ouais. Même pas, il tanque, d'accord. Il curve rien. Ouais, non, tout. Mais c'est valable aussi. Hein. Là, je sais même pas ce qu'il va faire, parce que là, c'est. Il n'y a pas de feu de camp en main, enfin, je comprends pas le play des MLM. Quand même.
je comprends pas là le choix des mêmes systématiques. Pourquoi il a pas tué son gobelin? Le gobelin, il va lui coller. Oui, et puis surtout qu'il avait de quoi poser. Enfin, je comprends pas pourquoi il pose le chaman, quoi. Enfin, le play pour moi est pas bon. Enfin, soit tu le joues T1 et en gros tu lui appliques la pression. Ouais, son T3, il va être, ça va ressembler à quoi son T3? Je me pose des questions là. Oui, ouais, la J'ai même. plus sa main, j'ai plus sa main devant les yeux. Et il a une double shredder. J'ai pas vu, ouais, il me semble que j'ai pas Il vu le a double deuxième shredder T3. et un T2, là il va se retrouver T3 avec un play méga Voilà, chelou à jouer. il va jouer un T2 au T3, je comprends. Bah, certes, il a curvé son. Enfin, il a curvé si on veut. Il a sorti un T3 au tour 2. Et il va faire quoi au T3? Il va rejouer un T2? Enfin, qu'est-ce qui Ouais, va se passer là? puis là ce qui va se passer c'est que Kilvergine il risque de. Là il va lui coller des dégâts. Ouais, Il va poser ouais. son chaman devant le gobelin. Et c'est le jeu du chat à la souris, Ben, on va. C'est je ouais. cours après ton gobelin, tu cours après le mien, à ce jeu-là, je pense que Kilvergine risque de gagner hein, sur cette Ah bah, game-là. là, Kid Virgin, pour moi, il est devant à la course, hein. Il a un coup d'avance. Il a un coup d'avance. Il peut faire exactement le même play que C'est MLM versus pour moi Martyrs, mais il a un coup c'est d'avance. exactement ce qui s'est passé à la première game. C'est-à-dire que pour moi, il y a une erreur sur le. Bah là, c'est sur le T2 des MLS Smarties où il utilise le token. Soit pour moi, il utilisait T1 en craquant le gobelin Bah adverse. ouais, moi je pense qu'il devait se mettre au rythme. Enfin, de suivre le rythme de Kill Virgin en éliminer son éclaireur, et là il aurait peut-être été devant, il Bah, serait le devant coup. quoi. Enfin, tu vois, tout Il à aurait pas l'heure. le T3, il aurait un Kilvergine. T2 à la place et il aurait une créature de plus sur le board. Donc c'est lui qui serait dans l'optique d'avoir un tour d'avance. Bon, après il se dit peut-être l'éclaireur, Osef, enfin il dit peut-être je m'en fous de l'éclaireur, il va y passer avec le Shredder. Ça, c'est peut-être un truc qu'il a dans le coin de la tête. Mais le Shredder, c'est pas tout de suite, hein. C'est pas le prochain tour, et c'est le surprochain tour, donc il va falloir qu'il soit patient pour faire du CA. Et je pense que le CA, c'est pas le plus important en match-up Bastion, c'est plutôt qui a l'emprise du board. Qui a l'emprise du board et qui a l'avantage au PV. C'est ça le plus important. Le CA, pour moi, je le mets, ça compte, mais c'est pas ce que je rechercherais en premier lieu dans un match-up Bastion contre Bastion. Alors, j'ai une surprise pour vous. C'est ce qui me semblait. T'es bloqué là, hein? En fait, il me semblait qu'il y avait un replay, et je crois que c'était un des replays de Deleb, et malheureusement non. Il y a un replay qui avait bug, et c'était celui-ci. Ah bah ouais, c'est le tour, je me disais, mince, il est long là à jouer son tour là, Kill Virgin, là. Il a un T3 à faire là et il met 2 minutes là pour choisir son T3. Et là, si je dis pas de bêtises, c'était du coup. Oh punaise. C'était un bug de. C'était un bug Un bug de de quoi là? MNM Smarties. Et du coup, la victoire était revenue à Kilvergine. Voilà, donc Ah, super. tu veux dire que c'est le client de MLM versus Martis qui a crashé? En fait, c'est le compteur du client d'MNM Smarties qui est resté à zéro. Voilà. Lequel de compteur tu veux dire? C'est le compteur. C'est un compteur de temps à chaque tour. Ah ouais. Donc Ah c'est donc c'est un bug du jeu ou c'est un bug du replay? Non, c'est un bug du jeu. un bug du jeu, ouais. C'est un Et bug du jeu. ils ont accordé la game à Kill Virgin. Bon, franchement, ils auraient pu la rejouer parce que là. Bah, il me semble que c'est à Kilvergine qu'elle a été accordée. Après, j'ai pas eu les détails. Moi, j'ai juste récupéré les replays directement sur le serveur. Bon, après, c'est vrai que Virgin est mieux parti. Mais dire présumer d'une victoire comme ça si tôt. Après, il se passe vraiment des choses bizarres sur le jeu. Ah, je suis déçu, j'aurais bien aimé la voir là, cette game, parce Ouais, que celle-là, elle avait de la tête. justement il y avait un équilibre des forces, je dirais plus dans l'avantage de Kill Virgin, mais parce qu'on sent Kill Virgin, il a quand même subi pas mal de quelques défaites, là, 2 défaites consécutives. Contre des bastions, donc j'étais un petit peu derrière Kill Virgin, je me suis dit bon allez il va y arriver, il va faire un truc bien, puis là il était bien parti. Dommage. Ouais, donc là, Bon bon, malheureusement. après donc il y a la belle quoi, on va quand Ouais, même il y a la belle en quelque sorte. Tac, parce que moi, tu vois, ça paraissait. Voilà, ça paraissait comme un score de 1-1 entre les deux joueurs. Alors, on va du coup passer sur la dernière tout de suite. Donc, du coup, à mon avis, ils vont repartir sur le même match-up. Il n'y a pas de Mais raison qui change, hein.
Je suis trompé de replay, excusez-moi. J'ai rien vu. Tac. Et j'ai cliqué au mauvais endroit. Et voici la dernière. Je mets en pause. Voilà, donc c'est, moi, c'est parti. C'est le même, tu me dis quand tu démarres. Voilà, 3, 2, 1, un plus plus. Plus tout court, et... excuse-moi. Un plus. Bon, alors il a une main 101, mais je dirais ça se garde quand même, hein, puisqu'il a voilà. Deux chasseurs. Il a deux chasseurs, chasseur qui fait la diff, quoi. Et ça en début de game, tu préfères les avoir en début de game. Ah, hein, et puis là, c'est il se pose pas la question, il tank. Allez, il a raison. Et il a raison. C'est fait pour ça. Donc là, il va passer son T3. Là, il a une bonne curve, voilà, quand même. Hein, parce qu'il va faire deux ouais, T3 d'affilée. Là, on va voir l'expérience des Menace Marties. Peut-être la folie avec le fond. Là, ça va. La partie, chacun sort correctement. On va certainement avoir un match qui va durer plus de 10 tours. Je pense qu'on va vraiment avoir un match qui va durer plus de 10 tours. Une power lane, voilà. Une power lane et une autre lane devant là où il y a le Lifan. Rage tempête. Ah non, même pas. Alors, oh, rage tempête, bah non, il va spammer rage tempête là. Ouais, non, ouais, mais regarde-moi ça là. Ah oui, mais je pensais qu'il mettrait un rage tempête devant le rage tempête. Non, il a 3 rage tempête, il se dit je fais la course. Je fais la course, je vais monter ma puissance tous les tours et là il va. J'ai plus de force de frappe que lui. C'est ça qu'il doit se dire. Chez 4, c'est ballsy de monter la puissance tous les tours. Hein. Il a 3 rage tempête. Il a 3 rage tempête. Au prochain tour, il tape. S'il n'y a rien en face, il met 3-3-6. Il met 10 points au prochain tour. Ouais, là, il tanque. Énorme. Là, il est obligé de tanker. Tu vois, c'est ça. Là, il s'est dit j'ai des plus grosses balls que Kill Virgin. Et là, Kill Virgin, il s'en est bien rendu compte. Il s'est dit je peux pas faire la course, il faut que je tanque. Donc il a bien placé son truc. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? MLM, s'il est devant au point de vie, il a l'avantage, enfin le board est équilibré, mais il a de quoi cogner, et là, il a 40 possibilités pour creuser son avantage à ce tour-ci. Donc, ouais, je vois bien, sur ce tour-ci, une Zephyria pour tuer le petit gobelin. Avec, ouais, un, avec limite, le rage tempête qui tape un. Il pense qu'il peut enfoncer, son avantage. Il peut tuer le cyclope bagarreur avec le chaman. Et l'hôtel sacrificiel et dire j'y vais, je te cogne. Et puis il peut frapper l'olifant de guerre de la même façon. Mais là, c'est quand même une petite prise de risque parce que. Je vois pas partir sur une prise de risque. Je vois bien. Il va mettre 5, mais attention, il va être à 5 en might et il va avoir une galère sur les prérequis derrière. Ah ouais, donc là, c'est une prise de risque. Hein. Je pense que c'est ce qui se pose. Je le vois jouer Zephyria. Zephyria, tu es le gobelin. Il y a deux façons de jouer. Voilà. Mais c'est ça. T'as raison, mais là, ça correspond plus à sa façon de jouer, visiblement. C'est un joueur plus prudent. Il va monter la magie. Donc, il y va prudemment. Il monte ses stats, il se dit pas je vais déchirer mon. Là il va juste monter sa les stats. Ouais, non, mais il a raison, okay. Enfin, ça aurait été une prise de risque quand même très importante que de le mettre. Certes, il l'aurait mis à 8 hein, quand même. Hein. Il aurait été à 16 contre 8, mais au niveau de ses stats, il aurait peut-être galéré les tours suivants. Donc, je dis pas que. Il y avait deux choix, et il n'y a pas un choix qui était meilleur que l'autre, il y avait juste un choix plus risqué que l'autre. Peut-être plus risqué, mais peut-être aussi plus payant. Mais on peut pas le savoir, c'est la suite. Enfin, c'est. Jamais savoir. Difficile hein, de juger un choix, même après coup. Là, ça clean. Échamment. Ouais, bah là, il a pas le choix, hein. Il perd l'avantage du board. Ouais, bon, okay. Il a l'avantage qu'il y a la tire qui est arrivée, en plus, qui a fait du bien, parce que ça tape dur sur la Zef. D'accord, donc là il rééquilibre quelque sorte le board, mais néanmoins il est pas devant, hein, Kill Virgin. Il a juste rattrapé un retard qu'il a pris il y a deux tours. Ouh. J'ai choisi de taper, de la mettre à un HP. Ah ouais, bah alors ça, ce sera pour la tuer au Shredder au prochain tour. Ouais, je pense que c'est ce qu'il s'est dit, il me dit faut que je m'en c'est débarrasse. C'est pour tuer au Shredder au prochain tour. Après, tu sens que MLM, c'est avec son feu de camp, il va faire un tour assez.
Bah là, Bellems, il va peut-être, il peut tuer son. Il faut qu'il tue le Cyclope Bagarreur parce que c'est trop dangereux. Je pense qu'il va saquer son Phénix avec l'hôtel sacrificiel, peut-être. Non, il va... Oui, il va tanker comme ça, sachant qu'il tue une créature. Bah oui, oui, non, il mais va c'est tanker, une meilleure, il une meilleure va... idée, ouais. Il va poser, il va anti-cibler pour protéger éventuellement. Ouais, tout à fait. Hein. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il joue voilà, un deuxième chaman? Hop. Voilà, et là il anticipe. Alors pourquoi? Ok, d'accord, il se place comme ça. Alors pourquoi se placer en Z? On sait pas, ça sert à rien. Je sais pas, c'est une habitude de jeu, je dirais. Hein. Ouais, de toute façon, je dirais c'est des automatismes, c'est-à-dire que bon, ça change pour lui bah, pas grand chose. Il voulait éviter la power lane de la pluie de feu de la première game, je pense, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Mais Sans Z, c'est juste une habitude, mais de toute façon, ça change pas grand chose. Là, il va perdre la Zef. Il est obligé de se décaler. Et là, il va jouer quoi Une Zef part, une autre arrive, quoi. Tout va bien. Voilà. Alors là, ça peut être vraiment vilain, là. Oh, la nuée, maquée douleur. Ah bah la nuée... Moi, je ferais nuée, hôtel. Sacrificiel, nuée. Hôtel sacrificiel pour mettre le shredder à 2 HP. Et il colle 10. Il colle 10. Il met à 2, hein. Là, il a Zef en main. Et il a Zef en main au prochain tour. Donc là, il a gagné. Là, c'est fini. Là. Il a voilà. Zef en main. Nuée. Et il peut même jouer hôtel. Ah, il joue tente. Il joue tente. Ouais, il a déjà gagné ce tour-ci. Et là, en plus. Ah bah non, mais il a même pas besoin. Il a pas besoin parce que la chamane, vu qu'elle a plus de 3 marqueurs, le dernier. Ah oui, tout à fait. Alors là, c'est vrai que dans la façon dont ça proc. Oui. Il y en avait une qui avait déjà un marqueur, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Donc il y en a une qui a surproc. Il y en a une qui a surproc. C'est ça. C'est... Ouais, donc il avait gagné sans même jouer la tente. Bon, non, il avait gagné avec Zef, il tuait ce tout là. Hein. Quand j'ai vu l'hôtel sacrificiel et que j'ai vu. Moi je pensais qu'il était. J'ai mal compté les dégâts, j'étais comme toi, j'étais à 10. Et je pensais qu'avec la tente, ouais, ça passait. Tu sais, c'était 14. Franchement, il avait tout en main pour gagner, je veux dire, sans même réfléchir. La nuée. Le truc qui tue le shredder, les deux chamans, et puis l'Azef derrière. Il avait gagné deux fois, quoi. Il pouvait le mettre à moins 10. Bon, j'exagère un peu, mais... Bon, en tout cas, on voit quand même clairement sur ce match, est-ce que c'est la maîtrise de MLMs qui a fait toute la différence sur Bastion? Là, j'ai senti que Kill Virgin n'était pas forcément hyper aguerri sur les matchs Bastion. Et ça, c'est une question de sensibilité et de joueurs. Hein. Moi-même, je vais pas critiquer. Je joue quasiment. J'aime pas trop jouer Bastion. C'est pas ma tasse de thé. Et je pense que ça doit être la même chose pour Kid Virgin. Donc, quand tu joues des matchs comme ça contre des gens qui ont spammé, qui ont vraiment beaucoup pratiqué 4, c'est sûr, ça se joue à des détails et l'expérience, c'est toute la différence.